Très bien, c'est Amtel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors du coup qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Alors comme vous avez pu le voir aujourd'hui je ne suis pas à Los Angeles ou encore à une ville similaire comme ça. Non, aujourd'hui je suis parti un petit peu plus loin parce que du coup je suis parti dans une ville. Sauf que à mon avis vous ne savez pas quelle est la particularité de cette ville, je vais le dire tout de suite. En fait la particularité de la ville c'est simplement qu'en fait cette ville est uniquement et elle est réservée aux filles. Alors donc du coup voilà, je sais pas qu'est-ce que je fais là, je sais pas du tout si je vais réussir d'ailleurs à l'infiltrer ou pas, mais franchement si j'arrive à infiltrer la ville et à me faire passer, peut-être pas pour une fille mais en tout cas à l'infiltrer et voir qu'est-ce qui se passe dans cette ville tout simplement, et bah ça risque d'être vraiment sympa. Bref, en tout cas juste avant qu'on commence la vidéo je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche de notification, comme ça tu ne loueras plus aucune de mes vidéos, surtout que j'en sors une chaque jour et ça franchement c'est génial. Et n'hésite surtout pas aussi à mettre pourquoi pas un petit pouce bleu parce que à 5000 likes je referai un autre épisode dans la ville des filles, ou alors même peut-être pour la prochaine fois on pourrait aller dans une ville réservé aux garçons où on se passera pour une fille. Bref, mettez moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous dirait qu'on fasse. Et puis du coup on est parti. Alors voilà, donc du coup l'entrée de la ville elle est située vers là-bas. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah bah tiens, regardez, il y a des filles qui sont en train de courir vers je sais pas trop où. Alors je les ai vues. Oh ah bah regardez, c'est trop drôle. Elles sont en train de s'amuser, on dirait qu'elles s'éclatent. Bon, du coup ah ouais mais attendez, elles font quoi comme jeu? On dirait qu'elles font du tennis là. Faites voir. Ah ouais. Ah ouais, trop stylé. Ok, bon, du coup ici comme vous avez pu le voir, on a des sortes de règles. Ici, donc du coup c'est parti. On va lire un petit peu quelles sont les règles. Bon, du coup on devrait pas trop entendre les filles, donc on va lire les règles qu'il faut respecter dans la ville. Alors, pour aller dans la ville des filles, du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire la chouin, d'accord, ok, donc voilà. Il faut avoir des cheveux longs, donc bah moi... Ah ouais, merde, ok, bon ça va pas passer. Être minimum en CM2, bon ça c'est bon du coup pour moi. Être mature, bon bah c'est bon. Avoir 12 ans minimum, c'est bon aussi. Gloss obligé, ah mince, j'ai pas de gloss sur moi. Être belle, bon bah ouais, c'est vite fait. Pas de garçon, oh merde, pas de garçon, pas de zizi. Oh non mais c'est pas possible. Et avoir des seins, oh là là, mince. Bon bah ça va pas être possible hein. Bon, je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour entrer. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire c'est qu'on va casser les panneaux dans lesquels je me sens un petit peu exclu. Donc on va mettre, bon, on va enlever celui-là. On va enlever lui, on va enlever lui. Ouais. Et ouais. On va enlever lui. Voilà. Tout le reste, bon écoutez, je peux mettre une perruque à tout moment. Ok, bon les cafés, je me cache là. Pourquoi les règles elles ont été cassées? Oh là. Ah c'est pas grave. Mais c'est les règles des garçons en plus. Non, ça va pas le faire là. Oula. Faut réécrire les règles. Attends, mais, attendez, les gens, pourquoi d'après vous est-ce qu'elles aiment autant pas les garçons comme ça? C'est une ville on dirait qui est réservée aux filles. Pas de zizi. Oh là, mais attendez, mais comment ça se fait que... Comment ça se fait qu'elles soient tant en colère que ça, contre les garçons là comme ça? Bon, je sais pas si je devrais aller les voir maintenant ou pas, là je suis caché dans le terrain de tennis là. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles vont faire. En tout cas nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer un petit peu de les suivre. Ok c'est bon. Allez les filles, venez on va faire du shopping. Ah bah d'accord, elles vont aller faire du shopping. Ok. Bon, tac, on va aller regarder les nouvelles règles. Ok, bon, les règles n'ont pas changé. Bon, elles sont toujours en train de se tirer des boules. Bon, du coup, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'approcher un petit peu d'elles. Et puis, je vais peut-être essayer d'aller leur dire bonjour. Ok, alors, où est-ce qu'elles vont? Va au parc, c'est parti. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire comme si je me baladais dans la rue et que je les connaissais pas et tout, juste pour voir comment elles vont réagir. Donc, c'est parti, tac. Moi, je vais un peu loin et je vais passer par ici. Voilà, tac. Les filles. Regardez, il y a quoi là-bas? Hop. Attendez, c'est un garçon. Oula. Oula, les gars. Ça y est, elles m'ont vu. Oh, ouais, ah salut les filles. Qu'est-ce que tu fais ici, wesh? Ah, c'est quoi là? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais là, garçon? Mais on est où là? Oula, laissez-moi parler un peu là-haut, vous faites que de crier. Attendez, mais pourquoi est-ce que la ville elle est réservée aux filles comme ça depuis quand? Parce que c'est que les filles ici, c'est Girl City. Ouais. Attends, je parle à ma pote. Je vais préparer la salle de torture pour le garçon. Ça ira, il est gentil. Ouais, non mais moi je suis gentil hein, mesdames. T'es en train d'écouter nos conversations là ou j'aurais... Non, j'ai pas écouté. Je voulais vous dire comme quoi, bah moi je suis gentil et je fais pas de... Non, désolé, y a pas de garçon dans la ville, allez, bon, tu sors. Je dois partir, c'est où la sortie? Oui, c'est par là-bas. Et excusez-moi, juste une question, ma soeur elle a 15 ans, c'est bon, elle peut venir? Oui, elle peut venir. Ok, bon bah elle viendra, je lui donnerai l'adresse.
Allez, okay, au revoir, c'est par là la sortie. Si tu sors pas, t'es mort. Ouais. Ok, je sors. Bon, les amis, j'ai un plan qui vient de m'arriver dans la tête. Là, j'ai un petit plan au fin fond de ma tête. Franchement, qui peut être vraiment cool. Oh, mais c'est trop stylé ici, regardez ça. Il y a une sorte de manège là. Et là, vous avez pu le voir, ici, là, on a une sorte de géant parc. Enfin, de parc, on a un géant lac comme ça qui est incroyable. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser quelques bateaux comme ça. Peut-être que les filles, tout à l'heure, elles pourront aller s'amuser dans le parc. Enfin, plutôt dans le lac. Donc, du coup, tac, on va poser un. Bah, elles sont trois filles, donc du coup, on va mettre bateaux, allez, 4 bateaux, et puis bah nous ce qu'on va faire c'est que bah du coup moi je vais partir un peu plus loin dans la ville, et puis voilà, du coup j'avais un petit plan. En fait le plan c'est que du coup pour la vidéo je vais me déguiser moi aussi en fille, et je vais maintenant essayer d'infiltrer leur groupe d'amis, etc., et de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'elles veulent absolument pas de garçons dans la ville, parce que voilà, ça me semble quand même un petit peu mystérieux cette histoire. Je sais pas du tout ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ça m'intrigue un petit peu quand même. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais me cacher dans cette maison là, tac, hop, et on va aller récupérer quelques affaires normalement en haut. Donc du coup voilà, tac, ok, nickel. Bon, du coup vers ici, tac, on va se changer, hop, et je vais mettre des affaires pour les filles. Ok, donc du coup les amis, normalement si tout se passe bien, enfin je pense que tout est bon. Voilà, vous avez pu le voir déjà, j'ai une plus petite main qu'avant. Alors je crois que tout s'est bien passé. Voilà, je me suis transformé du coup en fille pour cette partie de la vidéo. Alors par contre il faut quand même que j'enlève ma tunique en cuir. Donc du coup voilà, ok. Bon, maintenant que j'ai mis mon skin de fille, et bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais me balader un petit peu en ville. Alors à mon avis on va donc du coup recroiser les filles. Sauf que maintenant ce que je vais devoir faire c'est que voilà, attirer sur là. Bon, je vais me cacher un petit peu juste pour voir où est-ce qu'elles vont. Et puis dès que je vais voir qu'elles vont faire une activité, bah je vais les suivre je pense. Ok, bon, en tout cas c'est les trois mêmes filles de toutes qu'il y avait tout à l'heure. Alors où est-ce qu'elles vont? J'ai bien envie de faire du bateau les gars. Oh bah je crois qu'elles moi aussi. Je crois qu'elles vont aller faire du bateau. Bah tu sais quoi, vous savez quoi, je vais mettre une petite carapace verte pour que je me fasse reconnaître. Et surtout parce que ma perruque, bon, elle tient pas énormément. Donc voilà, au moins comme ça je suis sûr que ça va marcher. Ok, bon, on va juste remettre un bon temps. Voilà, nickel. Bon, du coup comme ça il n'y a plus pleuvoir. Ok, alors du coup c'est parti, tac, on va aller se rediriger vers l'endroit où il devrait y avoir les filles normalement. Alors où est-ce qu'elles sont? Ah, mais elles font déjà un tour de bateau, d'accord. Ok, d'accord. Bon, du coup je passe par ici. On va aller voir comment elles vont réagir en me voyant, parce que du coup moi c'est la première fois que je suis en ville. Oh, les filles. Elles ont jamais vu une fille comme moi. Il y a une nouvelle fille. Venez voir. Tac. Bon, du coup, ce que je vais faire c'est que je vais parler avec une voix un petit peu plus aiguë du coup, vu que maintenant je suis une fille. On va devoir faire une voix. Ah, salut les filles, salut les girls. Salut, bah, ça va bah attendez, je me présente, moi je m'appelle Marie, moi, et vous? Oh, moi c'est Magali. Toi, elle, Magali. C'est Lise. Moi c'est Lise. Attends, toi c'est Magali? Oui. Toi c'est Lise? Oui. Et toi c'est Mila. Et toi c'est Mila. Ah, ok, bah enchanté les filles. Toi c'est comment? Toi c'était pas Kim? Non, moi c'est Marie, moi. Je m'appelle Marie. Ah, toi c'est Marie. Ouais. Ok. Ah, bah, salut Marie. Ouais. Salut, bienvenue. Bah du coup vous avez quel âge vous? Je vous ai jamais vu dans la ville. Moi j'ai 16 ans. J'ai 18 ans. 16 ans, 18 ans. 17. Ah bah ouais, bah écoute, c'est parfait, moi j'ai 18 ans moi. Bah on a à peu près. Oh, trop bien. Vous étiez en train de faire quoi en fait sinon? Oh, on allait aller faire du bateau, tu veux venir? Oh bah vas-y, mais carrément. En plus moi je suis fort au bateau. Enfin, je suis forte, pardon. C'est vrai. Je suis forte au bateau. Ouais, bizarre. Parce que j'ai dit fort, excusez-moi. Bon, je peux prendre quel bateau du coup les filles? N'importe lequel. Ah ouais, vas-y, bah je vais prendre. Allez, je prends lui là. Ok. Bon, c'est parti. Ok, bon les gars, bon, allez, je vais essayer de pas pédaler trop fort parce que j'ai quand même beaucoup de muscles en vrai, donc voilà, on va pas pédaler trop fort. Ah ouais, c'est bon. Ok, comme ça. Regardez, wouhou. Oh, tu mets quoi sur tes cheveux? Ils sont beaux tes cheveux. T'as vu, j'ai des jolis cheveux, hein. Ça c'est une sorte de petit casque pour, tu sais, pour, c'est un soin en fait, ça donne des soins. Ah, c'est un soin. Ouais, c'est ça. Ah ouais, trop bien. Genre, ils sont tout le temps soignés, mes cheveux, c'est trop beau. On dirait du plastique, vite fait. Quoi? Non. Ouais, c'est vrai. Ah bon, ça ressemble à du plastique. Ouais, un peu. Non mais oh, c'est une sorte de carapace qui fournit du soin toute la journée, tu sais, pour avoir des beaux cheveux lisses et qui brillent et tout. Comment ça tu trouves ça bizarre? C'est vrai, c'est bizarre, ça doit abîmer tes cheveux à force, mais ouais, c'est pour éplucher tes cheveux. T'es sûr que t'es une fille? Ouais, bah je vous ai dit, je m'appelle Marie, moi. Mais prends des tout petites fesses. Me coincez pas. Marie? Ouais. J'ai une machine pour savoir si t'es un homme ou une fille. On la testera après. Oh ouais, viens, on va tester la machine. C'est quoi la machine? Attends, je vais te savoir c'est quoi la machine d'abord. C'est une machine pour savoir si t'es une fille ou un garçon. Mais ouais, mais non, mais je suis une fille. Je m'appelle Marie, regarde. T'as vu, j'ai des jolis cheveux en plus. Ouais, mais t'as pas toutes petites fesses. Ouais, non, c'est pas vrai, regarde. Si, hein. Ah ouais, fais voir toi. Moi regarde, ils sont énormes. Wow. Ah ouais, d'accord, j'avoue Magali, toi tu rigoles pas. Bon bah vas-y, viens, on va tester la machine. On va tester la machine. Allez, c'est parti. Bon, première expérience.
Il faut vraiment que je trouve un moyen de filer d'ici parce que là, je sais pas du tout de quoi s'agit la machine. Elle est où la machine du coup? Oh, attendez, je vais la préparer. Okay. Et attends, je vais venir. Ouais, attends, non, allez Magali, vas-y, prépare la machine. Bon, apparemment les amis, il y a Magali qui va préparer une machine pour découvrir bien si sûr, moi, oui ou alors sinon je suis pas si oui ou non, je suis pas une comment dire, une fille. Bon, normalement la machine devrait dire comme quoi je suis un garçon si tout se passe bien, à moins que la machine déconne un petit peu ou alors à moins qu'on essaye de la truquer. Pendant qu'il l'a créé, alors par contre j'ai juste perdu tous les gens parce que je les voyais il y a encore 5 secondes mais là elles ont totalement disparu. Alors où est-ce qu'elles sont passées? Là je les vois absolument plus. Vous êtes les filles, il y a quelqu'un? Magali? On est à l'entrée de la ville. Elles sont à l'entrée de la ville. Ok, alors l'entrée de la ville, je crois qu'elle était vers là-bas là. On va aller regarder. Parce qu'il y a une entrée et une sortie. Ah oui d'accord, la machine elle est là-bas, ok. Bon, il faut que je trouve un moyen de la truquer pour qu'elle donne les chiffres à l'envers. Ok. Ah, stylée la machine. Ouais, merci. Oh, en plus j'adore le rose, c'est trop bien. C'est ma couleur préférée, le rose. Et vous, c'est quoi vos couleurs préférées? Ouais, moi aussi c'est le rose. C'est le rose toi aussi? Moi c'est le rose et le violet. Toi c'est le violet, Magali. Mila? Ouais, elle est trop bien, rose et violet. Moi c'est le rouge. Ah c'est le rouge, moi c'est le rose ma couleur préférée, je suis trop fan. Comme le bonnet, comme le chapeau à Captain. Ah ouais, vous connaissez le Captain. La couleur du perruquet. Ah ouais, vous connaissez le Captain vous, ok d'accord. Mais alors attendez, mais vous construisez quoi là en fait, c'est quoi ça? La machine. Ah t'inquiète, c'est la machine. Ah c'est la machine, faites voir. T'inquiète, oula, moi je suis pas sûr que c'est sécurisé ça. C'est le réacteur en fait. Ah ouais d'accord, le réacteur. Là, bon, ça marche. Ok, bon les amis, comme vous avez pu le voir là, il y a les trois filles, donc du coup Magali, Mila et Liz je crois, qui sont en train de construire la petite machine pour découvrir si oui ou non je suis un garçon ou une fille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut vraiment que je trouve un moyen de changer les réacteurs, comme ça ça va mettre tous les résultats à l'envers. Alors je sais pas. Alors enfin, que vous me disiez, il est où le réacteur? Genre vous savez, le petit levier. Il est derrière là, il est dans la machine. Ah il est dans la machine. Salle derrière, là. Ah il est dans la salle arrière. Fais voir, on va aller voir s'il y a le levier. S'il y a le levier les amis, il faut qu'on le tourne de sens. Attendez, faites voir. Ok, bon faut pas trop que je m'approche. Ok. Là-bas il y a un truc, on va aller voir. Ok non, c'est pas là. Ah tu fais quoi? Ouais non, je faisais rien, je cherchais juste trompé, le. Il faut pas rentrer ici, tu peux mourir. Ah ouais, je peux pas rentrer. Mais du coup je cherchais le levier pour le réacteur. Ah, à mon avis il va arriver les gars. Il va arriver les amis, le levier va être là. Attention, comme ça je vais pouvoir le mettre à l'envers. Et bang, je vais donc du coup passer pour une fille. Ah ouais, stylé. Ah oui, t'adore. J'aime trop son corps. Ok, alors du coup qu'est-ce qu'elles font là? Alors viens. Ok, je suis là. Le test il va commencer. Le test il va commencer, c'est bon. Alors tu te déshabilles pour commencer. Oula. Je rigole. N'importe quoi. Faut que tu mettes de la salive dans l'eau là et le réacteur, je vais devoir aller l'activer. Okay. Tu me dis quand t'as mis la salive. Vas-y. Voilà, un gros molar là, j'ai craché. T'as mis la salive? Ouais, j'ai mis la salive. Bon, faut que je trouve aussi le réacteur vite. Alors, on allume le réacteur. Attendez, mais je alors pas... ça s'allume de quel côté? Ça s'allume rose. C'est une fille. Bah oui, je suis une fille. Je vous l'avais dit. T'es sûr? Ouais. Regarde. Regardez. Attends, je vais regarder un petit truc. Ouais. Oh oh. Il y a quelqu'un qui l'a modifié sans rien, c'est vrai. Quoi? Non, non. Personne n'a modifié le réacteur. Non, non, vraiment pas. Si, regarde. Normalement, c'est là. Attends, c'est mort. Oula. Oh, oh. Le réacteur, il s'est éteint d'un côté. Oh, bordel. Oula. Oula. Attention. Y a quoi? Non. On va s'entretenir ensemble. Remettez les filles. Remettez... Ah, yes. Ok, moi, je suis encore une fille, les gars. Je suis encore une fille. Yes. Oh, c'est une fille. Ah, bah alors. Vous avez vu le réacteur qui se transforme ou pas? Et bah, je suis quand même une fille, hein. Ça a l'air bizarre tout ça. Bah c'est non, vrai, ça a l'air bizarre. Je suis une fille, c'est tout, vous me croyez pas? Bah je réessaye une dernière fois. Non mais... on dit jamais 203. Il y a des bugs en fait, il y a des bugs. Ah bah d'accord, bah ok, bah je suis les deux là, c'est génial. Oh mais attends, si c'est les deux, ça veut dire qu'un garçon déguisé en fille. Quoi? Attends. Non. Viens voir là. Non. Viens avec moi, faut qu'on s'entretienne. On va s'entretenir. Ah ok, attends, Liz qui veut s'entretenir avec moi. Ouais, Liz, ok. Moi j'ai envie d'entretenir mes collègues. Ah ok d'accord. Ah bah entretenez-vous entre vous, je vais écouter. Enfin non, pardon, je vais vous laisser parler. Écoute, on va le ramener dans la salle du réacteur. Il va devoir glitcher. On va lui dire que ça. Il va avoir des super pouvoirs. Et là il va mourir. Non, il va mourir, non. Oula, il va me tuer. Oui, elle est trop gentille, moi j'espère que c'est interdit aux garçons ici. On lui dit de se déshabiller. Elle veut me tuer. On lui dit de se déshabiller. Et si en dessous son habit, eh ben c'est un garçon. On va ramener à la salle des réacteurs. Allez. Ok, oula, vas-y. Oula, oula, oula. Hey, coucou. Ouais, salut. Coucou les gars. Tu peux te déshabiller? Oula, me déshabiller?
Oui, genre, j'enlève tes vêtements, mais, là. Ok, bah, je vais bien me déshabiller, mais seulement si vous fermez les yeux, juste 5 secondes. Ok, on ferme les yeux, non, vas-y. 10 secondes, 10 secondes. Ok, vas-y, on ferme les yeux, 10 secondes, vas-y. Allez, vas-y, les filles, la tête, 1, 2, mais c'est sur la tête. Ok, c'est parti, je cavale. 2, ok, j'ai 10 secondes pour m'enfuir. 3, ok. 4, attention, les gars, je cours. 6, oh. Allez, plus loin. Oui, il est passé où? Salut! Oh, allez, hop! Allez, gamin, j'enlève ma carapace, j'enlève mes cheveux et voilà! Ok, non. je cours. Bon, les gars, je crois que j'ai réussi à berner les filles. Oula, par contre, là, je me fais. Oula, elles m'envoient des balles, elles veulent me tuer, je crois. Bon, et bah, du coup, les amis, je pense que c'est bon. Comme vous avez pu le voir, on a réussi à infiltrer un serveur de filles, franchement. Bon, ça a vite fait mal tourner quand même, mais bon. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas dès maintenant à tous vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et n'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit pouce bleu parce que à 3000 likes, j'infiltrerai à nouveau un serveur. Peut-être pas un serveur réservé aux filles, mais un serveur réservé, peut-être, je sais pas moi, aux mamans ou aux enfants ou aux... Bref, on verra bien. En tout cas, voilà, mettez tous un pouce bleu. Et puis surtout, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et à la prochaine. Ah, allez, ciao, ciao.